Salut Jayette! Salut, ça va? Ça va, Comment ça Gustavo? va, mon ami? Ben, on sort, hein, tu vois, regarde, retour de Marseille dans un TGV pratiquement vide. Mi Wow! Monte dans mission. le TGV! Tournez, Voilà. tournez le Voilà. portable! Le TGV, il est comme ça. T'as loué un TGV juste pour toi? Ouais, parce que l'ours, maintenant, prend une grande importance. Hein. C'est la seule œuvre qui a été mise en place au monde pendant le Ouais. confinement. Une œuvre Oui. monumentale. Six, Oui. 5 mètres, 6 tonnes, je ne sais pas si tu l'as montré. Mais bon, voilà. Combien de mètres? 5 mètres, 6 tonnes. 6 5 mille mètres et 6 tonnes. et 6 tonnes, voilà. Et Waouh. elle a été installée. Ça a été très compliqué Ouais. parce que c'était confinement. Mais comme le camion est arrivé en retard, elle aurait dû être installée avant le confinement. Mais comme le camion est en retard, ben on a été obligé de l'installer, mais c'était pas facile. Hein, ça a été compliqué. On a fait une équipe de commando et ils se sont réveillés avec un ours de 5 mètres sur l'esplanade du Mucem. Ça a fait polémique. Il y a eu beaucoup Wow. de. Mais bon, il est là, quoi. Il est là pour les protéger. Il est là pour les amener vers un futur meilleur, tu vois. Parce que cet ours, c'est Janus, c'est l'ours à deux têtes, c'est l'ours à deux faces. Donc, c'est un côté vers le passé et un côté vers Ouais. le futur, tu vois. Et en plus, je me suis associé à un protège ton soignant en même temps pour que cet ours, il ait aussi une signification liée à la conjoncture qui est difficile. Et c'est une cagnotte, alors si elle est, tout le monde m'entend, c'est une cagnotte protège ton soignant qui a fait déjà plus de 300 000 euros, tu vois, et qui marche bien et je suis un des ambassadeurs de cette cagnotte. Comme C'est quoi magnifique. les artistes sont toujours vivants. C'est magnifique. C'est Ah, magnifique, Jaët. C'est très, très, très beau. Et en plus, c'est ma couleur préférée. Cette orange, j'en avais en galerie. C'est vraiment ah, magnifique. c'est le même que tu avais dans ta galerie. Et le mien avait 1,50 m, c'est ça? 1,10 m. 1,10 m. 1,10 m. Imaginez-vous à 5 mètres, à plein l'air, à Marseille. Ça doit être magnifique. Ah, il est vendu, hein, le Jaët. tien, c'est fini. Depuis quand tu réalises l'ours? Depuis quand t'as créé l'ours? Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 2 ans maintenant, 1 an et demi, Deux ans. 2 ans qu'il a été créé. Voilà. Et ça explose dans le monde entier maintenant. Et puis là, avec cette visibilité, tu es quand même le plus grand ours du monde dans la Oui. deuxième ville de France. Je pense que Oui. ça va faire un peu de bruit et que le monde de l'art va commencer à se retourner. On va pas dire que. Voilà. Ah, c'est la pause. Ça, c'est. Voilà, c'est bien. Jayette, on a un souci de connexion, mais c'est normal. Jayette est dans le TGV. Il retourne. Voilà. Mon chou, dis-moi, il est localisé où l'ours à Marseille? C'est où là? L'ours, il est sur l'esplanade du Mucem, tu vois, à côté de l'esplanade du Mucem, du musée. Il est vraiment dans un endroit incroyable. C'est une chance, hein, ben, je ne sais pas si tu as vu les photos, mais Oui, j'ai vu. c'est une J'ai chance posté là sur la extraordinaire. story. Ouais, c'est une chance extraordinaire. Franchement, c'est un lieu incroyable. Et puis c'est une aventure incroyable parce que, bon, ben, voilà, hein. L'ours, il est parti d'Ukraine il y a 1 mois. Il a été Oui. bloqué à toutes les frontières. Il a été bloqué. Donc, il aurait Wow. dû arriver il y a déjà 15 jours avant le confinement. Et quand il est arrivé, il avait 15 jours de retard parce qu'il a été bloqué 10 jours à la frontière d'Ukraine. Après, il a été bloqué à la frontière d'Allemagne. Après, il a été bloqué à la frontière de France. Et finalement, quand il est arrivé, bah, il n'est pas arrivé au bon moment puisque toute la France était confinée. Donc, imagine que pour mettre un ours en place de 5 mètres, alors que toute la ville est confinée, ça a été très, très, très compliqué. Et là, j'ai eu la chance d'être aidé par un ami qui a une grosse société qui s'appelle Paris, qui est venu avec une Oui. grue. Il me fallait une grue, tu vois, il me fallait une grue de 5 mètres, comme ça, là, de 10 mètres, une grue Oui. pour soulever les pièces de l'ours, comme ça. Hein. Et il est venu, et à trois, on a mis les masques, on a respecté les sécurités, les consignes, et puis on a réussi à mettre l'ours en place. Génial.
C'est mission impossible. Jayed, il y en a Cyril là, Cyril qui habite à Marseille, qui posait une question là dans la live en disant pourquoi choisir Marseille pour installer l'ours à 5 mètres. En fait, le dossier il a été envoyé à plusieurs communes, à plusieurs villes, et entre autres à Marseille, où là, a priori, le dossier il a été accepté. Donc c'est pour ça qu'il est allé là-bas. Et si j'ai choisi Marseille, c'est parce que j'adore Marseille. Et que surtout, c'est une ville magnifique. Et justement, qui aime bien la culture et qui développe la culture, qui s'intéresse. Et puis, il y avait normalement Manifesta, une énorme biennale d'art contemporain qui devait arriver dans un mois. Et la biennale, elle est annulée aujourd'hui. Mais l'ours, lui, il est là. C'est fantastique. C'est un vrai dommage qui se passe, hein, Jayed. C'est dommage. Voilà. C'est pas dommage. Moi, j'aime bien aussi le fait d'être le seul à pouvoir à avoir fait ça, à avoir continué à faire vivre un peu l'art, parce que c'est compliqué. Mais c'est possible. L'art, c'est la vie, tu vois. L'art, c'est aussi s'adapter à la conjoncture. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir peut-être un petit peu franchi des barrières, mais avoir réussi à le faire, quoi. Sans qu'il y ait de la gêne pour personne, parce qu'on a fait une petite équipe, on était trois, on a respecté les distances, et les Marseillais, moi je vois, hier j'étais au pied de l'ours, il y avait une dame avec sa petite fille qui regardait l'ours et qui disait « mais c'est fantastique, c'est beaucoup de gaieté qui nous arrive », et puis alors il faut te dire un truc, c'est que 100% des enfants adorent cet ours. Alors on va savoir si ce sont les enfants qui ont le plus un côté artistique que leurs parents, c'est possible, parce que moi j'ai pas vu un enfant qui m'a dit qu'il était moche. En revanche, j'ai vu des adultes qui m'ont dit qui l'a payé, pourquoi il est là, pourquoi il n'est pas vert, pourquoi il n'est pas bleu, mais est-ce que l'argent vient de la commune? Non, l'argent il est complètement privé. Cette ours, je l'ai mis en place pour avoir de la visibilité. C'est une œuvre d'art que j'ai prêtée à la ville de Marseille. Il n'y a aucun argent public, il n'y a aucune subvention, il n'y a rien. C'est purement de l'artistique. Voilà. Bravo, Jayed. Bravo. Je sais très bien comme tu es un artiste qui vibre, tu adores ton ours. Et cette énergie passe à tout le monde. Parce que franchement, chaque fois que j'ai un ours à toi, au milieu de la galerie, tout le monde rentre. Tout le monde vient. C'est le bonheur. Et en plus, c'est le bonheur pour les enfants et pour les adultes aussi. Voilà. Je te remercie. C'est super. Mais tu es aussi un super ami. C'est magnifique. Tu es aussi un grand défenseur de l'art, donc et tu fais bien ton travail. Et je suis ravi d'être ton ami, ça s'est fait très rapidement. Et puis, j'aime bien, on va continuer ensemble. Maintenant, ces ours, il faut que tu les vendes. Hein. Dans le monde entier. T'inquiète. Mais tu ne me ramènes pas à 5 mètres. Je n'ai pas d'endroit pour les peut-être. La grande galerie, oui, on peut mettre un ours à 5 mètres, c'est vrai. On peut l'exposer. Tu peux peut-être vendre un ours de 5 mètres. Là, c'est le premier d'une série de 12 qui vont aller dans le monde entier. Donc, ce n'est pas le dernier. On est déjà en train de faire le deuxième, le numéro 2, qui va peut-être aller à Ibiza, dans la maison d'un copain à moi, qui envoie un tout blanc. Voilà, c'est le deuxième. Magnifique. Et toi, si tu peux vendre le troisième au Maroc, ou tu peux vendre le troisième en Chine, au Portugal, où tu veux, et j'en mets un par pays. À Dubaï. Voilà. À Dubaï, bien sûr. Mon Dubaï. Ami. On peut le remettre. Bah oui. Ouais. Mon ami, merci beaucoup. Montre encore le TGV. Montre encore le TGV. Voilà, il n'y a personne, Jayed. T'as personne. Il est vide, tant mieux pour moi, d'ailleurs, parce que j'aurais personne. Voilà, t'as réussi à booker. T'as booké un TGV tout seul pour toi. C'est magnifique. C'est un peu ça. Il faut que tu saches qu'à partir de demain, il n'y en a plus, j'aurais pas pu remonter. Donc, c'est le dernier. Ouais. C'est fini. Ouais. Ouais, c'est fini. Et toi, alors, comment ça se passe à Paris? Nous sommes très créatifs. Hein. Nous sommes obligés d'être créatifs. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Il faut profiter le confinement pour mettre les idées en place et voilà. Exactement. Il faut prendre de l'avance. Moi, ce que je vais faire, je vais continuer à aller travailler à mon atelier parce que je suis tout seul. Donc, en fait, je continue entre chez moi et l'atelier. Je reste toujours confiné entre les deux. Je vais continuer. Là, j'ai commencé un David Bowie qui est magnifique. Je viens de finir un Madonna parce que j'en fais à thème qui est extraordinaire. D'ailleurs, Madonna elle-même
voulait l'acheter et son concert a été annulé. Ouais, c'est vrai. Donc, le même jour. Donc, est-ce qu'on peut faire un autre live quand tu vas être dans ton atelier pour montrer toutes tes ours? Allez, on fait comme ça. On fait comme ça? On peut faire ça demain. Mon Jayette, je vais te faire un bisou. Ciao, Cyril, Gustavo. On organise une expo à Marseille ou pas? On travaille, hein? À manifester. Je te fais un bisou. Ciao. Ciao, ciao, les amis. Bon, je vous dis merci beaucoup pour être là ce matin. Je suis désolé pour les lunettes, pour les habits. J'ai sauté du lit. Mon ami Jayette qui a mis un ours merveilleux à Marseille. Vous pouvez regarder toutes les photos ici sur notre story. C'est vraiment magnifique. Et après, vous pouvez aller dans son profil pour regarder aussi. Voilà. Eliard Galerie, on n'est pas de l'heure. Au moment que les gens sont là, on saute, on fait un live. On interagit avec les gens et tout. Henri Rang, non, je n'ai pas oublié, on va parler plus tard, ok? Là, j'ai besoin de brosser les dents, laver mes visages, prendre douche et commencer la journée. Et là, je suis vraiment waouh. Mais le plus important, il faut faire la communication. Bisous!